Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de découvrir un artiste qui s'appelle Amir. Vous ne le connaissez peut-être pas encore beaucoup, mais il a déjà eu pas mal d'expérience dans le domaine musical. Il a un style qui est bien à lui, en tous les cas, qui maille plusieurs sons de jeunes actuels, des nouveaux sons, comme l'on dit, en tous les cas. Il travaille également, et on l'imagine, avec des sonic producers, comme on dit, des gens qui font du son, des DJ, comme l'on dit. Et il va nous présenter tout cela ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays qui s'ouvre de plus en plus à la jeune génération de la musique réunionnaise. Ce soir, je vous demande d'accueillir Amir. Couleur Pays avec Eric. Amir dans Couleur Pays, c'est ce que nous vous proposons ce soir avec son album Mon Désir. Bonsoir. Bonsoir Eric. On serait tenté de dire quel est ton désir ou quels sont tes désirs, mais on n'ira pas plus loin pour l'instant. Nous parlerons de musique. Hein, ça fait. Avant de parler de tes fantasmes, je plaisante. En tout cas, Amir, avant de parler de ce que tu fais, on va essayer de savoir d'où tu viens, parce que c'est vrai, quand on connaît pas encore vraiment les gens, il est bon de savoir quel chemin ils ont pris pour arriver jusqu'à cette production d'album. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à pousser la chansonnette, à prendre un micro et à t'exprimer devant des gens? Ben déjà, la famille. Au début, la famille était musicien. Une tati qui chantait un peu. Après, bon, j'ai fait un peu de danse, un peu de scène à la danse. Je suis passé après du jockey. Et là, le micro. J'ai plus lâché, en fait. D'accord, t'as plus lâché l'affaire. Ah, et en fait, tu es issu d'un milieu où on chante, déjà. Donc ouais. Ça, c'est un milieu propice. Hein, propice, quand oui. Tati chante... On va dire, il y a ça dans derrière. Le sang. Oui, ça dans le sang, puis l'environnement fait l'environnement que, du coup... Fait... On est plus à même à faire en sorte que on s'exprime plus facilement, puis on est encouragé par un environnement qui est comme ça. Donc, quand tu commences à chanter, c'est quoi? C'est dans les communions, dans les baptêmes, à l'église? Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé par oui, il y en a beaucoup, ouais. Mais moi, c'était dans ma chambre. Ta chambre, d'accord. En fait, comme j'étais un peu DJ, je faisais un peu d'animation, chez moi, j'avais déjà la sono, le micro. J'avais un copain, il habitait juste à côté de chez moi. Mmh. Et lui aussi, il chantait un peu aussi. On se retrouvait le dimanche, branchait les micros, on avait des instrus et on chantait dessus, en fait. En général, d'accord, parce que les DJ, quand ils commencent, à un moment, ils finissent à la radio. Mmh, ouais, je fais de la radio aussi. T'as fait de la radio aussi? Je fais en ce moment de la radio aussi. Oui. C'est vrai qu'on est à la radio, là. Oui, on est à la radio. Mais dans la vraie dans vie. Dans la vraie vie aussi, oui. D'accord. Oui. Sur quelle radio? Je suis Radio Décibel. Radio Décibel, c'est à Saint-Denis. D'accord. Ouais. D'accord. Et depuis longtemps? Ça fait pas longtemps. Moi. Tu viens de commencer? Ça fait un mois. Mais avant ça, t'as jamais eu d'autres expériences radiophoniques? Non, jamais. Jamais. Non, parce qu'en général, on commence DJ, on fait toujours un peu la radio. Après, on fait sa propre pub à la radio pour la sono, etc. C'est souvent, ouais. Mais la radio, c'est comme si t'étais DJ jockey, en fait. Tu parles, t'animes, tu mets la musique. Ouais, sauf que ça... tu vois pas les gens danser devant toi. Hein. Oui, voilà, tu vois pas les gens devant toi. Il faut dire aussi qu'ils sont en voiture, donc c'est pas trop l'occasion de danser. Donc c'est pas tout à fait le même timing, le même. Oui. Et puis on fait pas trop de séquences de 3 heures avec la dance floor, par exemple. C'est sûr. Des séries de Zouk Club qui en finissent plus parce que le mec il a besoin de lever la fille, donc encore. C'est clair. Il y a pas non plus des gens qui viennent derrière toi en disant mais t'as pas un petit slow là. Un petit slow. Voilà. Non, oui. Ça n'existe pas. Ouais. Oui, ça n'existe pas à la radio. Mais après, pas sous cette forme. Il y a le téléphone. Mais après, c'est une belle expérience. Moi, j'ai approché direct. Donc après, discuter, parler avec les auditeurs, cette facilité. Donc, Très bien. Revenons sur ton parcours musical. Après avoir fait des expériences comme ça de DJ, que tu es peut-être encore et toujours. Tu fais d'abord un duo en musique. En musique, le premier duo, premier album aussi qui est sorti, j'ai fait featuring, c'était avec Benjam. D'accord, mais c'est ça. Le gars qui danse avec Benjam, oui, bien sûr. Bien et sûr. Ça remonte là, l'année 2000. C'était déjà à 14 ans. C'était Mets son corps devant et Mets son corps derrière, c'est ça. Oui, c'était l'époque là, ouais. C'était l'époque là, ouais. Le premier gros tube de Benjamin. Voilà, le premier gros tube. C'est l'album Liberté. Liberté, mais la chanson qui avait tourné, c'était... Mais son code. Bon, oui, mais il y a un titre à ça. Modérateur, non, pas modérateur. Consommateur. Consommateur, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait un énorme tube. Et Benjamin qui venait lui-même du Maloya. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il est revenu au Maloya.
Comme quoi, la boucle comme est bouclée. Comme quoi, ça fait le tour. Et donc, voilà, c'est là, parce que bah, ouais. Je l'avais déjà vu quelque part, mais c'était pas dans une autre vie, c'était 14 ans. Bon, en fait, ça a décollé là. Enfin, moi, j'avais déjà, j'ai déjà un duo avec mon partenaire. Et comme Benjam sortait l'album avant nous, et Mustapha, lui, il voulait avoir une voix comme ma voix à moi, et assez, je vais pas dire unique, mais... Original. Donc il m'a dit, il me proposait de faire des voix sur la chanson avec Benjam. Et je dis, ok. Et puis c'est après, comme ça que ça a commencé. Après, ça a commencé comme ça, c'est parti. Une histoire de musique. Mais ça dure un petit moment quand même, la collaboration avec Benjam. On a fait deux ans. Et après c'est après, j'ai fait l'album juste après avec mon partenaire. L'album s'appelait BYRG. Il y avait la chanson qui s'appelait Ragala Dilafé. Oui, oula, oui. Cassé, toute vaisselle dans la case. Ça aussi a cartonné dans ces années-là. C'était 2002, 2003, 2004. Voilà. C'est l'époque où on commençait à avoir des scènes à La Réunion avec uniquement des animateurs, des ambianceurs. Voilà, le raga commençait aussi à monter à cette époque-là. Il y a plus de musiciens à cette époque-là. On commençait à plus voir de musiciens sur scène. Après, c'est des époques, voulez-vous, il a fait partie de cette époque-là, avec son groupe BYRG. Juste après Benjam, donc, qui s'est lancé justement avec cette chanson Consommateur. Et après ça, deux, trois ans encore avec BYRG, puis après. On a fait deux ou trois albums, BYRG. Je travaillais aussi avec Freddy Majunga. Ouais. On a fait un peu de raga, un peu de soukous. Et après, je me suis arrêté pendant 4-5 ans. On va en rester là. Il s'est arrêté, nous aussi. On fait une pause et on écoute un peu de musique dans Couleur Pays.